Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours une fois ou deux sur la map Color Race Color Switch. Le code sera en description, en commentaire épinglé. C'est pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative, pour vous proposer de meilleurs glitches d'XP, genre un glitch qui vous fait gagner 5, 10, 15 niveaux. Donc voilà, merci à tous ceux qui se connectent tous les jours pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map. Le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors maintenant, pour le glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, le code c'est 47754962699, voilà comme ceci. Le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous lancez la partie en privé. En attendant que la partie se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le font. Franchement, vous êtes les boss. Et par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc là, vous allez voir que dans ce glitch, dans cette map, il y a 5 glitches au total. Donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, menu, lancer le jeu. Voilà, voilà. Ensuite, vous attendez que le jeu se lance. Je pense qu'on va être enfermé. Ouais, on est enfermé pendant 10 secondes. Donc on va attendre que les 10 secondes se passent. Et vous allez voir que je vais vous présenter 5 emplacements de glitch qui sont plutôt rentables. Donc je vais commencer par le meilleur, hein. Donc vous prenez la faille pour sortir de la map. Ensuite vous allez vers le bouton switch, juste ici. Voilà. Et là vous allez construire pour monter sur le spawn. Donc là je construis pour faire en sorte de monter au-dessus du spawn. Voilà, parfait. Hop. On va mettre une petite rampe comme ça. Et voilà, là je suis au-dessus du spawn. Donc regardez, ça c'est la map. Et il faut que vous ayez au fond à gauche du spawn, juste ici. Là votre personnage va allumer en bleu. Là vous faites une petite émote. Et là vous allez déjà gagner pas mal d'XP. Donc on va voir combien je vais gagner. Donc 3000 plus 3000, ça fait déjà 6000. Ouais, on est à plus ou moins 7000 d'XP. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre glitch. Donc l'autre glitch, c'est avec un œuf. Un œuf qui se cache par là. Donc on va tout simplement rejoindre cet emplacement en construisant. Et vous allez voir qu'il y a un petit œuf caché qui va vous rapporter des XP. Ok, donc là on y arrive. En fait, il faudra se trouver derrière le rocher, juste ici dans le coin, donc dans l'ombre, il y a un petit œuf. Vous interagissez avec et ça va vous donner des XP. On va voir combien ça va me donner. Ok, ça fait déjà plus 4000. Ok, on a fait du plus 7000. Ok, donc le troisième glitch, c'est ici, sur la rampe. Là, vous allez repérer, en fait, dans le sable, il y a deux petits carrés noirs, là, que vous voyez, justement, où il y a l'œuf. Vous allez construire des sols, comme ceci, pour vous rendre au bord de la map. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez construire des rampes. Vous allez en construire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ensuite, vous allez construire 3 plats. 1, 2, 3 plats. Et là, dès que votre personnage le met en bleu, vous faites une petite émote et là, ça va vous rapporter aussi des XP.
Ok, donc là, on est déjà à plus 4000. Ouais, donc plus 5-6000. Ok, donc le dernier glitch se trouve près de la tête de dragon qui est juste là-bas. Donc vous allez construire jusque là-bas, jusque dans la haute colline. Donc regardez un peu où c'est de l'autre côté du spawn. Hop, et vous allez construire jusqu'à la tête, enfin le haut de la montagne où il y a un dragon. Et vous allez interagir avec le dragon, vous allez voir que ça va vous donner aussi des XP. Donc au final, on aura pris plus ou moins 50 000 XP dans cette map. Peut-être un peu moins, on aura pris 30 000, 40 000 XP en quelques minutes. Bien entendu, vous pouvez recommencer le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Mais à chaque fois que vous allez le refaire, normalement, théoriquement, vous allez diminuer dans les XP. Donc la map vous rapportera de moins en moins d'XP. Donc c'est totalement logique. Hein. C'est pour pas que vous atteigniez le niveau 200 trop facilement. Donc c'est une limite que Fortnite a placée pour éviter que les glitchers montent trop vite en niveau. Ok, donc là on arrive près de la tête. Hop. Là vous interagissez avec la tête. Comme ceci. Et là vous allez gagner aussi des XP. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc 4000 déjà. Plus 2000. Ouais, donc ça fait 6000, ça fait 7000 XP plus ou moins de gagner avec la tête de dragon. Donc voilà, au total, on a pris plus ou moins, ouais, on a pris 30-40 000 XP en un seul glitch. Donc ça fait un demi-niveau. Alors il faut savoir que j'ai une technique secrète en description, en commentaire épinglé, qui va vous faire gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch. Donc si vous cumulez la technique secrète avec ce glitch, vous pouvez faire 5 fois plus, 5 fois 40 000 XP. Donc ça vous fait... Ouais, ça vous fait de plus ou moins 3 niveaux de gagner en un seul glitch. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en description, en commentaire épinglé si vous ne connaissez pas la technique secrète. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.